L'accident de Pierre Palmade ne cesse de faire parler de lui. Le mardi 21 février 2023, Cyril Hanouna recevait sur le plateau de Touche pas à mon poste, Carl Zéro qui a tenu à évoquer des pistes quant au dénouement de cette affaire. En effet, l'humoriste est aussi soupçonné d'être impliqué dans des faits pédopornographiques. Il y a un prénommé Fabien qui cesse de manifester dès hier soir en envoyant des vidéos et des audios qu'il avait sur un portable qui montre Pierre Palmade en train de regarder des trucs pédopornographiques, a-t-il dévoilé, relayant également la rumeur selon laquelle un ministre très célèbre était présent dans la maison de l'acteur au moment de son accident. Des déclarations qui ont été lourdement critiquées par les internautes. Parmi eux, Jean-Michel Apathy qui n'a pas hésité à être assez violent. Ah tiens, il y aurait un ministre dans le dossier Palmade, selon Carl Conditionnel Zéro. Il y aurait aussi un jockey, un cuisinier, un couturier, un bijoutier, un lavandier et un raton laveur. Misère de la télévision. Étonnant, non? Ceste demander le journaliste. Les explications de Carl Zéro. Selon Carl Zéro, les flics de la PJ sont allés le voir à Bordeaux aujourd'hui pour lui dire « Mais si est-ce quoi ce portable ?» Ce que à quoi l'individu aurait répondu « Si est-ce un portable que j'ai racheté il y a 2 ans à un copain de Pierre Palmade qu'il n'avait pas nettoyé le portable avant de le vendre et j'ai retrouvé ça là-dedans, les supposées images pédopornographiques, note de la rédaction, je ne savais pas quoi en faire. » Le présentateur a toutefois nuancé ses propos, après, il faut faire attention. Ça peut être aussi une cabale qui est montée contre Palmade. Il faut quand même se méfier.